Nous avons été amenés sur ces côtes en portant la prophétie de la déesse Danu. Je ne verrai pas de monde qui m'est cher. Très bien. Ok. L'été sans fleurs, le bétail sans lait, les femmes sans modestie, les hommes sans valeur. Oh, regardez, c'est bien fait le clair de lune et tout. Il n'est pas trop mal fait graphiquement hein, quand même. Hein. Les conquêtes sans roi, du bois sans mat, la mer sans production, les fausses sentences des anciens. Oh, c'est quoi ça, contrôle? Ok, si je me mets debout, ça fait quoi? Ok. Les faux précédents des avocats, chaque homme un traître, chaque fils un destructeur, le fils décevra son père. Allez, arrête de chialer, Megan. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Elle suit? La fille décevra sa mère. Le vrai clan fera disparaître les vrais barbares de ce monde et il les fera noyer dans des rivières de sang. Par contre là... Ah ok d'accord, en fait... J'ai dû me faire chier moi je pense. Ok, c'est parti. Allez on y va. Bien sûr, j'ai plus ma lampe torche. Plus de lumière donc. Qui dit plus de lumière dit que ça va être très sombre, très sombre, très noir et très lugubre. Elle suit. Elle suit, c'est bon. Allez, go. Ah, petite sauvegarde en haut à gauche. En général, quand il y a une sauvegarde, ça sent pas bon. En général. Ah, ok, d'accord. Tout simplement. Oh! Elle me l'aurait dit plus tôt qu'il faut l'appuyer sur contrôle. Ah, bah ça va, tranquille. Bah, allez, c'est reparti, on fait pas la même erreur que tout à l'heure. Contrôle! Contrôle! J'ai appuyé sur contrôle! J'ai fait que ça d'appuyer sur contrôle. Contrôle! Ah, yes! Je me suis pas loupé cette fois-ci. Allez, Megan, à ton tour! Oh putain, elle va se louper, elle. Elle va se louper. Oh. S! Don't let go. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je me prépare déjà à appuyer sur S. Ah, j'ai appuyé sur S! Arrête tes conneries! J'ai fait que ça d'appuyer sur S. Tu rigoles ou quoi? Yes! Don't let go. Ah! Espace! Don't let go of me. Vas-y, vas-y! Résiste! Allez, bah vas-y là! Oh, c'est bon là! Putain, j'ai cru qu'elle allait me faire appuyer pendant 3 heures! Ah, bah quand même! C'est bon! Tout va bien, hein? Allez, hein, tu mériterais que je te pousse là. Enfin bon. Allez, bah c'est parti. On est go. Putain, mais attends, il mène loin ce chemin ou comment que ça se passe? Ouh, regardez. Je crois que c'était le phare qui était allumé là. Ah, très bien. Une grotte secrète. Ok. Oh! Vous avez vu ce qui s'est passé là? Il y a des trucs qui sont apparus d'un coup. Arrête de geindre, avance. On va continuer d'avancer. Bien gentiment. Très bien. Tu suis Megan? C'est bon. Ça suit. Ah, sauvegarde. Ok, là, à tous les coups. Oh, c'est pas un fil de piège ça? Ah non. A l'aide, c'est Ro. Il provient de là-bas. A tous les coups, je vais devoir appuyer sur contrôle. Il y a de grandes chances. Oh non, même pas. Allez, vas-y. A ton tour. Gardez-la. Gardez-la. Allez, là, c'est dingue ça. Je devrais pas t'attendre comme ça, là. Allez. Enfin bon. Moira, Megan, à l'aide, je suis en bas, dans une putain de caverne. Va voir Ro, je verrai si nous pouvons utiliser ce bateau pour sortir d'ici. Très bien. Vas-y, j'arrive. Meuf là. Pendant que Megan va essayer de réparer le bateau, apparemment, ce serait pas une mauvaise idée. Oh,
Oh, bah t'es là. Oh, ça sent le piège. Ro, Moira, baisse le portail. Megan est toujours là dehors. Nom de Dieu, baisse le portail maintenant. Megan. Bon, bah vas-y, hein, allez. C'est dégueulasse quand même. Et la Megan, elle est là-bas, quoi. Bon, allez, vas-y. Je vais te détacher. Voilà. Hurry it up. Nom de Dieu, dépêche-toi, je suis en train de le faire le plus vite possible. Fais-le plus vite. Tu vas te détendre. Tu vas te détendre. Soulève ce portail, apporte-les-moi. Voilà la sortie. Ok. C'est quoi qu'elle a pris dans les mains? Oh, bah c'est des petites torches. Moi aussi j'en veux une. C'est bon ça. Prends des signaux lumineux et suis-moi. Peu importe le moyen. J'arrive. Ok, 10 minutes de lumière. Ok, c'est bon. Très bien. Chapitre 5. Descending. Autrement dit, sûrement la descente. Que se passe-t-il ici? À part le fait qu'ils sont tous complètement fous? Oui, à part cela. Tu te souviens qu'ils nous ont toujours dit que notre arrière-grand-père avait acheté cette île comme un nouveau départ? Eh bien, ils nous ont menti. Ils ne cherchaient pas de nouvelle vie, ils échappaient à la loi. Ils étaient une sorte de sorciers satanistes, ils dirigeaient un culte aux sorcières. Très bien. Pendant des années, ils avaient vécu dans les alentours. Ils croyaient que notre famille était spéciale. Ça, tu m'étonnes pour être spéciale. Que veut dire cela? Ils pensent que notre famille descend directement de leur dieu, qu'on fait partie de la famille royale de Satan. Ça explique tout. Oncle Brian, Finn, Megan, toi, moi, en nous sacrifiant, leur dieu enfer se lèvera et le monde sera consumé par le feu. Le gars qui nous poursuivait, il croit de devenir ce dieu. Ok, d'accord. Et sinon, tranquille, elle marche dans la caverne. Elle veut pas accélérer, quoi. Ça te dirait pas de courir pendant 2 secondes. Oh, c'est quoi ça? Ça, je prends. Une petite cassette audio. Qui va certainement nous conter les histoires de notre arrière-grand-père. Il y a des chances. Allez. Lecture. La légende raconte que les personnes du clan Wailing sont les fils de la déesse Danu. Notre lignée est sainte et sacrée. Et elle détient la clé pour ouvrir une porte vraiment spéciale. Notre sang qui coulerait selon des conditions précises lors d'une nuit précise. Très bien. Tiendrait la promesse de déclencher l'enfer sur Terre. 5 sacrifices de sang créeront quelque chose de plus qu'un homme. Quelque chose d'ignoble et de divin. Et avec eux sûrement la damnation suivrait. Le rituel demanderait des actions précises. Autrement, ils échoueraient complètement. Nous triompherons, le clan Wailing triomphera, Dieu est mort, les chasseurs nous ont trouvés. Écoute, Dieu est mort, nous n'aurons pas de cadeau de Noël cette année. Ha ha! Ro, I'm sorry. Ro, je suis désolé de ne pas avoir été là cette dernière année. Je sais que ça a été difficile pour toi après la mort de maman et papa. Et j'aurais pu... Non, pas maintenant, pas ici. Seulement, survivons à cela. Je suis d'accord avec toi. C'est parti, et nous atteignons le bout de la caverne! Quoi? Ouais, tu veux que ce soit moi qui aille en premier en fait. Tu décides, sœur. J'en ai aucune idée. Bah tiens, on va aller là. Faut bah en essayer une. Ah! En fait, on peut ouvrir les deux? Ah, je pensais qu'on avait qu'un choix. Bon, on va aller par là, il y a un cadavre. Ça a l'air sympa. Ok, vous êtes revenus en arrière mes amis, mes sœurs, pour montrer de la pitié, pour me libérer s'il vous plaît. Je sais maintenant que vous avez raison. Très bien. T'en bouge pas, je vais faire quelque chose. Le chemin à la lumière est à travers l'obscurité, la famille doit se transformer pour pouvoir tous nous transformer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attendez, pourquoi vous ne dites rien? Au moins de ne pas être mes sœurs. Vous l'êtes? Sœurs, ils sont là. Libérez-moi, et je ferai la tâche du chef seul. Sœur, ils arriveront bientôt. Mais elle est complètement tarée, en fait, elle. Elle est... Sorcière! Ferme cette porte! Bon, c'est pas grave. On va la laisser tranquille. Elle a l'air un peu... Elle a l'air un peu siphonnée de la tête. Comme on dirait. Allez, c'est parti! Oh, bah...
Très bien. Et si je vais aller par là? Est-ce qu'elle a l'air de prendre de l'avance, elle? Je viens pour toi. Lui, il va se réveiller. Obligé. Non? Trop bien. Attends, oh, il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose ou comment ça se passe? Ah, il peut pas la pousser, là! Bah, pourtant, il y a le machin, je comprends pas. Ça doit pas être par là, alors. Et lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai aucune idée de quoi faire, là. Pour moi, la sortie, c'était évident, quoi. Elle est là. Attends, c'est forcément là, c'est ça que je comprends pas. La sortie est forcément là, quoi. Tu veux rien me dire? Saloperie, là. Je ne comprends pas. Le délire. Pourquoi qu'il veut pas le pousser? Il y a des fois, faut pas chercher à comprendre. Allez, c'est parti. Je comprends pas, j'ai essayé de le pousser 150 fois et il a pas réussi. Et là, j'arrive tranquillement, quoi. Il le pousse. Bon, allez. Ah! Parfait. Laisse-moi deviner, elle est fermée. Il n'y a qu'une place pour moi, reculer. Pendant que je prends... Vous êtes chanceux, je passerai un peu de temps en compagnie de criminels. Moira, je me suis enfuite, mais je crois avoir la jambe cassée, j'ai besoin d'aide. Vraiment, j'ai besoin d'aide, tu m'as sauvé quand j'ai failli glisser. Ça sent le piège. Ça sent le piège. Hors du chemin maintenant, ne me laisse pas mourir ici. Très bien. Mon Dieu, je les entends arriver, pour l'amour de Dieu, je fais partie de ta famille. J'arrive. Tiens, ça sent le piège. Tu es revenu, quelle chance que tu sois revenu. Allez. C'est un zombie. Qu'est-ce que je vous avais dit, tiens. Oh putain, vas-y, mais avance là. Putain, il tremble de partout l'écran. Allez, vas-y, ferme. Je savais que c'était un piège. Ça se sentait direct. Attends. Pour me prendre pour un con. Mon Dieu, encore du vaudou. Nous devons trouver un chemin là-haut. Elle voulait me le faire à l'envers, l'autre. Elle est malade. Bon. Une grosse cage. Qui a tous les coups. Écoutez-moi bien, j'annonce. Elle va se refermer sur nous. Dans quelques instants. Sûrement quand je vais tirer cette manette. Il y a de grandes chances. Mauvaise langue. C'était tellement prévisible, je sais pas pourquoi. Bon bah je me suis trompé, ça arrive. Bouge. Les voilà. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur sa planche encore? Je vois deux petits cochons courir vers l'abattoir. Très bien, on se casse de là. Vas-y, avance. Allez, c'est parti. Oh non. Bon allez, c'est parti, deuxième tentative. On réessaye. On va essayer de pas se casser la gueule cette fois-ci. Ok. Oh. Oh là là. J'ai cru qu'elle allait jamais y arriver, quoi. Oh, comment que c'est chaud en vrai. En plus on entend que ça craque de tous les côtés. Oh là 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 là. Ok. Allez, vas-y, monte. Dépêche-toi pas, surtout. On a le temps. Ah! Très bien. Encore une partie terminée. Chapitre 6. The Ritual on Wellin Island. Soit le titre du jeu. Ok, c'est parti. Enfuis-toi, très bien. C'est ce qu'on va faire. Oh, regardez-moi ça. Vas-y, suis-moi, c'est parti. Je te suis. J'arrive. Gardez ça, franchement. Oh là là. Oh. Je voulais savoir ce que ça faisait. Ah bah ça fait ça. Oh le bordel, quoi. C'est quoi ça? Attends, tu... C'est quoi ce délire?
Oh oh, d'accord. Très bien. Très bien. Nous avons Raon parmi nous. GG. Oh! Rowena, what are you doing? What she was destined for. La salope. What we were all destined. Ce dont elle était destinée, ce dont nous sommes tous destinés. La chasse vient de commencer. The hunter will come. You came here of your own. Tu es venu de ton plein gré pour sauver ta sœur. To find your sister. Pour obligation familiale. Maintenant, c'est le moment de tenir cette obligation. Rowena, please. Rowena, s'il te plaît, je ne comprends pas. L'année dernière, grand-père m'a appelé sur cette île. Il a partagé avec moi le destin de la famille et que cette responsabilité signifiait. Dans nos veines coule le sang des anciens dieux. Moira, nous sommes nobles. Nous pouvons nous transformer en le majestueux. Très bien. Grand-père m'a présenté notre frère. Charmant, le frère. Nous n'avons pas de frère. Il nous a quittés à la naissance pour se préparer pour cette nuit. Pour nous faire catapulter face à l'ancien dieu. Pour nous faire capituler, pour nous faire catapulter. Ce monde a besoin d'un nouvel équilibre et on le réduira en cendres pour rétablir le nouvel équilibre. Le chasseur viendra. Tout cela est fou. Chaque rituel a besoin d'un sacrifice, sœur. Et d'un martyr. Oh! Viens, sœur, bâtissons-nous dans ce nouveau monde avec du sang. Mais ils sont malades! Ils sont complètement cinglés! Lutte pour survivre! Tiens! Prends ça! Hein? Ah, ça te fait les pattes, ça! Ok. Tiens, tu veux un sacrifice? Regarde. On va y en donner un sacrifice, je pense. Ah, tu voulais un sacrifice, mon vieux? Bah, tiens. Oh. Je vais te sacrifier, moi. Addison of Beach. Ça, c'était pas... Oh! Ah bah voilà. Oh, c'est quoi cette vieille cinématique toute pourrite? Non, mais il faut... Enfin, faut avouer, quoi. S'il te plaît, laisse-moi partir! Terre, feu. Eau. Air. Mais c'est toute la famille. Et esprit. Tu as complété le droit à la chasse, Moira. De quoi parles-tu? Notre religion est assez précise. Elle demande qu'une main involontaire soit nous, vienne de son plein gré. Vol sur le monde. Marche dans les enfers. Quand on a traversé, bah oui. Sois témoin des transformations. Effectivement. Oui, je m'en souviens. Et le quatrième. Et ensanglante leur vierge main avec l'homicide. Je ne le savais pas. En fait, on a complété le rituel. La grande chasse est maintenant. Puisse ton sacrement être retenu pour toujours. La grande chasse est pour toujours. Ton devenir est sur nous. Oh, comment c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de malade. Je ne le savais pas. On va se transformer. Bah tiens. Quelle connerie. GG. Ah ouais, et puis nous on se transforme pas en simple zombie, hein. Non non. C'est qu'on se transforme carrément en un truc complètement dégueulasse, quoi. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, sympa.
Non, c'est un sympatoche. Franchement, bien. GG. Laisse que ce monde brûle. La fin de malade mental, quoi. Un truc de cinglé. En fait, je résume, on est arrivé sur une île pour essayer de sauver des cinglés. Et on est devenu complètement cinglé avec eux. Et nous, on s'est transformé avec un corps humain et une tête de cerf ou je sais pas quoi. C'est super chelou. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit let's play. Si vous ne l'avez pas vu en entier, il y a la playlist. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Bye.